بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامين وعلى اله وصحبه والتابعين وبعد ايها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Nous sommes toujours avec cette première règle du droit musulman qui dit « Al-umuru Les actes ne valent que par les intentions qui les animent euh, ou qui les ont animés initialement. » Nous avons expliqué hier que la, le fondement même de cette règle, c'est un hadith très célèbre du messager de Dieu, salam, là où il est, il est monté sur sa chair et a dit les actes ne valent que par leur intention et chacun n'aura pour lui que ce qu'il a eu l'intention réellement de faire. Celui qui s'est exilé pour Dieu et son messager, son exil est pour Dieu et son messager. Celui qui s'est exilé pour des biens de ce monde ou pour épouser une femme, eh bien, son exil ne sera que pour l'intention qui l'a animé à la base. Comme je le disais hier, ce hadith. Euh, ce, ces propos du Messager de Dieu, al sallam surviennent suite à un incident. Il y a lors de, du premier exode des musulmans, ce, les premiers à être sortis de la Mecque. Alors tout le monde a quitté la Mecque, cette terre que tout le monde aimait, pour Dieu et son Messager. Pourquoi Pour des raisons purement religieuses. La motivation était claire. Et ces gens-là avaient un statut. Ils étaient appelés les muhajiroun les exilés, par, pas par opposition, mais en complémentarité avec les les supporters. Sauf que les mohajiroun ont un statut très très élevé dans la religion musulmane. Cependant, il y avait dans ce groupe un homme qui a procédé à l'exil avec ces gens-là, et on l'appelait muhajirou ummiqais. Il voulait, il a, exil, il, il s'est exilé de la Mecque tout simplement par amour pour une, une compagnonne, Sahabia, dont le nom était Umm Et là, le messager de Dieu a expliqué à tout le monde que cet homme ne pouvait faire partie de l'élite, de cette élite appelée Al-Muhajiroun. Pourquoi Parce que son exil n'était pas motivé par le seul désir de plaire à Dieu et à son messager. L'intention à partir de là, apparaît comme un point prépondérant dans tout acte qu'entreprendrait l'être humain. Les gens, par moments, n'accordent pas beaucoup d'importance à cela. Sauf que, vous savez, il, il, on peut se trouver dans des, des choses qui sont peut-être des détails, mais qui, qui ont leur pesant d'or dans ce que nous faisons. Par exemple, vous vous levez, vous, 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 vous n'avez absolument rien à faire, et vous vous dites, tiens, je vais lire un peu de Coran. Pour lire le Coran, pour toucher le Mus'haf, vous êtes dans l'obligation de procéder à des, 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 des ablutions. Pardon. Donc, du fait que vous fassiez ces ablutions juste pour tenir un Coran, ces ablutions, ne peuvent pas ces ablutions ne peuvent pas être prises en considération dans la prière, parce que la prière est un acte qui est hautement supérieur au fait de, de lire le Coran ou de, de s'adonner à une autre activité en ayant fait ses ablutions. Ceci pour vous dire que l'intention est toujours très, très importante. Nous, non seulement Dieu la prend en considération, mais nous en tant qu'être humain aussi, dans tout ce qui peut arriver, nous devons la prendre en considération